Bonjour. Alors, pour cette séance, vous pourriez avoir besoin d'une brique ou alors d'un tout autre support. Et vous pouvez venir vous installer en posture assise en tailleur sur votre tapis. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir sur la brique ou un support pour être parfaitement à l'aise et surtout pour pouvoir bien respirer dans le ventre. Pour cette séance, on va se concentrer sur la région du ventre, la zone de Manipura Chakra, appelée la cité des joyaux. Lorsque l'énergie circule bien dans cette zone, on consolide notre volonté, notre assurance, notre confiance. Sur le plan physique, cette pratique soutiendra aussi notre feu digestif, qu'on appelle Agni en sanskrit. Alors, commencez par installer votre conscience dans l'abdomen, la surface de l'abdomen, l'intérieur de l'abdomen. Et laissez la respiration s'installer dans le ventre. Votre abdomen respire pleinement. Et vous pouvez porter votre attention au centre de votre abdomen, au niveau du nombril, qu'on appelle, ce point s'appelle Nabi. Visualisez un rayonnement multidirectionnel depuis ce point. Puis on va se préparer pour Kapalabhati, les expirations actives, donc qui vont notamment tonifier l'abdomen. Donc soyez bien assis, grandissez-vous bien. Les mains peuvent être posées en Jnana Mudra, les index et pouces joints, les autres doigts étirés, les paumes de main vers le ciel. Prenez quelques profondes respirations. Sur la prochaine inspire, grandissez, montez le thorax et on va commencer lentement. Expirez complètement. Faites une profonde inspiration. Faites une longue expiration. Puis faites une petite inspiration et vous allez retenir le souffle quelques secondes. Remontez le plancher pelvien par la pratique de Mula Bandha. Ramenez le menton contre la gorge. Relâchez les bandhas et respirez normalement. Pour rester bien grandi, vous continuez de bien respirer dans l'abdomen. On va reprendre un second cycle. Prenez une profonde inspiration. Longue expiration. Inspirez, grandissez, ouvrez le thorax et on commence un petit peu plus rapidement.
Expirez. Prenez une profonde inspiration, remplissez bien les poumons. Faites une longue expiration, videz, videz. Puis une petite inspiration et retenez le souffle, remontez le plancher pelvien, comprimez la gorge avec le menton vers la gorge. Puis relâchez le menton, le périnée et expirez lentement. Puis observez vos sensations dans l'abdomen, qui rayonne. Vous allez décroiser vos jambes, vous pouvez tendre les jambes devant. Faites des petits mouvements de vos orteils. Et on va passer debout. On se place debout, les bras de chaque côté du corps, les bras relâchés. Et on va commencer par faire l'échauffement des épaules que vous faites rouler vers l'avant. Puis vers l'arrière. Et puis secouez les mains. Relâchez. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Vous amenez de la chaleur, de l'énergie dans vos mains. Vous allez poser la main gauche sur le nombril, puis la main droite par-dessus. Fermez les yeux, concentrez-vous dans la région de l'abdomen. Sentez la chaleur, l'énergie au creux de l'abdomen. Et pouvoir vous placer à l'avant de votre tapis avec les deux pieds joints pour vous préparer aux salutations au soleil. On va faire des petites variantes dans les salutations. Placez vos mains jointes devant la poitrine. Et placez le souffle Ujjayi, inspire, expire par le nez. Et restez bien centré au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril. Inspirez et expirez, penchez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, penchez vers la droite à partir du nombril. Inspirez, montez les bras vers le ciel, ouvrez l'avant du corps. Et expirez, étirez-vous vers l'avant, fléchissez un peu les genoux, déposez les mains au sol, relâchez la tête. Inspire, pied droit derrière, posez le genou, relevez la tête. Tendez la jambe droite, amenez l'autre jambe en arrière et restez un petit peu dans la planche, respirez. Faites attention que le bassin soit ni trop bas ni trop haut. Sentez l'abdomen qui est actif. Sur l'expire, reposez les genoux, la poitrine entre les mains, le front au sol. Glissez vers l'avant et inspirez, entrez dans le cobra. Orteil retroussé et expirez dans le chien tête en bas. Respirez et ressentez comment se place l'abdomen. Fléchissez un petit peu les genoux pour bien ressentir l'abdomen qui vient se plaquer vers le dos. Prochaine inspire, on ramène le pied droit en avant, on pose le genou gauche, on relève le menton. Expire, on ramène le pied gauche, front vers les genoux. On tend les bras devant, puis on inspire, on remonte, on ouvre. Et expire, on redescend les bras par les côtés. Respirez tranquillement, amenez les mains jointes. Inspirez et expire, penchez vers la droite, étirez le côté gauche.
Inspire au centre. Expirez, penchez vers la gauche à partir du nombril. Inspire au centre. Expire. Et inspire, on étire les bras vers le haut, l'arrière. Expire vers l'avant et le sol. Inspire le pied gauche en arrière. On retient le souffle dans la planche, on s'installe, on respire ici. Repoussez bien le sol avec vos orteils, avec vos mains. Sentez le ventre qui s'engage. Inspirez, expirez, reposez les genoux, la poitrine entre les mains, le front ou alors le menton. Inspirez dans le cobra. Et expirez dans le chien tête en bas. Le bassin va vers l'arrière puis vers le haut. Vous respirez dans la posture. Essayez vraiment de bien vous étirer sur la ligne des bras et du dos. Donc fléchissez un petit peu les genoux. N'hésitez pas à remonter les talons pour bien plier dans vos hanches. Bien ressentir l'étirement de l'abdomen, le nombril qui se rapproche de la colonne. Sentez les pulsations ici. Sur l'inspire, on va ramener le pied gauche devant, on relève la tête. Expire, on ramène le pied droit. Inspire, en poussant nos pieds pour remonter, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et expire, on redescend les bras. Respirez. Et ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez et expirez, pivotez le buste vers la droite à partir du nombril. Inspire au centre. Expire, pivotez le buste vers la gauche. Inspire au centre. Expire et inspire, on monte, on étire. Expire, flexion. Inspire, le pied droit loin derrière. On relève la poitrine et la tête. On retient le souffle dans la planche. Expire, on descend vers le sol. Inspire, on passe dans le cobra. Expire, dans le chien tête en bas. On reste encore dans la posture et on va faire une petite variante. Mais si c'est trop, vous pouvez rester dans cette posture ou dans la posture de l'enfant, genoux au sol. À l'inspire, montez la jambe droite vers le ciel. Expire, fléchissez les genoux et rapprochez-le du coude droit. Les épaules s'avancent au-dessus des poignets. Inspire à nouveau vers l'arrière, jambe vers le ciel. Expire le genou droit vers le coude droit, épaule au-dessus des poignets. Inspire la jambe loin derrière vers le ciel. Expire genou contre le coude. Inspire en arrière vers le ciel. Expire, on va ramener le pied entre les mains. Inspire, on pose le genou, on relève la tête. Expire, on ramène le pied gauche. Inspire, on remonte en alignant les bras et le dos. Expire, on redescend les bras. Respirez. Replacez vos mains jointes. Concentration vers Nabi, le nombril. Inspire et expire vers la gauche. On pivote. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, inspire, on étire les bras vers le ciel et l'arrière. Expire vers l'avant et le sol. Inspire le pied gauche. On retient le souffle et on s'aligne l'abdomen tonique. Expire, on descend genoux, poitrine et front. Inspire le cobra. Et expire, chien tête en bas. On s'installe ici ou alors les genoux peuvent être posés au sol et bassin sur les talons. Sur la prochaine inspire, montez la jambe gauche vers le ciel. Expire, fléchissez le genou et rapprochez-le du coude gauche. Inspire vers l'arrière et le ciel. Expire, genou contre le coude. Inspire vers l'arrière. Expire, genou, coude. Inspire vers l'arrière. Expire, on ramène le pied entre les mains. Inspire, le genou derrière au sol, relève la tête. Expire, ramenez le pied droit. Et inspire, on remonte.
Expire. On relâche les bras. Et on repose. Tadasana. Observez comment ça respire juste après les salutations. Et puis venez vous allonger sur le dos en Shavasana quelques instants pour récupérer. Retrouvez la respiration abdominale. Ressentez les pulsations au niveau de l'abdomen. Allongez progressivement la longueur du souffle. Puis on va se préparer pour des torsions dynamiques. Vous allez fléchir vos jambes, vous ouvrez vos bras en croix sur les côtés et vous allez ramener les cuisses contre l'abdomen. Et sur l'inspire, vous basculez vos jambes vers la droite. À l'expire, vous ramenez vos jambes vers le centre. Inspire, basculez vos jambes vers la gauche sans forcément toucher le sol. Expire, vous ramenez vos jambes au centre. Inspire, basculez vers la droite. Puis engagez l'abdomen dans l'expire pour ramener le poids des jambes. Inspire vers la gauche. Expire le nombril vers la colonne pour ramener les jambes. Inspire à droite. Expire, on revient. Inspire à gauche. Les jambes restent serrées. Expire, on revient. À nouveau encore. Inspire à droite. Expire avec la force de l'abdomen. Inspire à gauche. Expire avec l'abdomen. Et on va s'arrêter. Vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez reposer vos bras et ressentir à nouveau l'ambiance dans votre abdomen, la respiration. Vous allez vous étirer sur une inspiration dans toute votre longueur. Sur l'expire, vous allez rouler sur un côté. Utilisez la poussée dans vos mains pour revenir. Alors, on va s'asseoir pour la posture du bâton Dandasana. N'hésitez pas à prendre un petit support sous votre bassin si besoin. Donc, on va tendre les jambes devant, on va tirer les fesses vers l'arrière. Et on va le faire avec les genoux un peu fléchis. Vos talons poussent au loin vers l'avant. Les mains sont posées sur le sol, les épaules sont dégagées vers l'arrière. Et on essaye de ressentir qu'on se place donc en appui sur nos ischions et qu'on tente de se mettre debout sur les ischions comme si on n'avait pas de jambes. Et ressentez ce qui se passe au niveau de l'abdomen dans cette posture. La tête est alignée, vérifiez qu'elle n'est pas penchée, qu'elle ne s'avance pas vers l'avant. Donc vous reculez si besoin le menton, les oreilles. Si ça va pour vous, vous pouvez essayer de déployer un petit peu plus l'arrière des genoux.
pouvez respirer dans votre thorax. Donc sur l'inspire, vous absorbez votre abdomen en déployant les côtes par les côtés. Et vous expirez normalement. Votre posture est tenue à partir de l'abdomen très puissant. Puis, si ça va, vous pouvez continuer cette posture avec les bras levés, les bras dans la ligne du dos. On maintient toujours l'appui très fort sur nos ischions, la respiration plutôt thoracique. Continuez de bien respirer profondément pour tenir la posture. Et puis à l'expire, on va relâcher, on va reposer les mains au sol, on va se préparer pour le plan incliné, pour Vottanasana. Vous placez vos mains vers l'arrière, doigts tournés vers l'arrière, les orteils pointés vers l'avant. Poussez très fort dans vos mains. Ne faites pas la posture si vous êtes sensible dans les poignets ou les épaules. Sur l'inspire, montez le bassin, pointez vos orteils vers le sol, poussez très fort dans vos mains. La tête peut rester vers l'avant ou basculer vers l'arrière, respirez. Et puis on ne reste pas trop longtemps, descend sur l'expire. On relâche nos mains. Vous allez fléchir la jambe gauche et placer le talon sous la cuisse droite. La jambe droite est fléchie, vous allez attraper avec vos deux mains l'arrière du pied. Prenez appui sur vos ischions, grandissez et poussez le talon droit vers l'avant, dépliez la jambe. Alors, si besoin, vous pouvez attraper le mollet, sinon restez à l'arrière du pied. Donc dépliez la jambe partiellement ou complètement, mais en gardant de la longueur dans votre dos. Respirez bien, grandissez-vous, les épaules basses. Et puis relâchez. Et on va changer. On va placer le talon droit sous la cuisse gauche. On va attraper l'arrière du pied avec nos deux mains, l'arrière du pied gauche ou alors le tibia mollet. On se grandit et puis on pousse le talon gauche vers l'avant. On essaye de garder de la longueur dans le dos, de ne pas arrondir le bas du dos le moins possible, de déplier progressivement comme on peut l'arrière de la jambe. N'hésitez pas à rester la jambe un peu fléchie, il vaut mieux rester un peu fléchie mais le dos bien placé et relâché. Respirez dans l'abdomen. Et on va se préparer pour la posture complète. Ubaya Padangusthasana. Vous allez fléchir vos deux jambes. Et avec vos index et vos majeurs, vous allez enrouler index et majeur autour des gros orteils. Vous enroulez autour des gros orteils. Les jambes sont à l'intérieur de vos bras. Si ce n'est pas possible, les jambes à l'extérieur. Prenez appui, grandissez et décollez les talons. Grandissez, grandissez. Et très lentement, vous pouvez déplier vos jambes. Et si c'est un peu difficile, soit vous pouvez prendre une sangle, soit vous attrapez l'arrière de vos jambes, à l'arrière des mollets ou à l'arrière des genoux. Donc on maintient l'équilibre dans la posture. Le regard peut aller au-dessus des pieds. On se grandit. On peut aussi la respirer dans le thorax, le ventre absorbé. Et on va quitter la posture. Vous croisez vos jambes, reposez vos mains sur les genoux, fermez les yeux et observez les sensations dans l'abdomen après cette posture.
Laissez bien l'abdomen respirer. Laissez bien l'abdomen se déployer. Puis on va passer dans la planche. Vous pouvez tendre vos bras devant, poser vos mains au sol, basculer le poids vers l'avant et puis marcher vers l'arrière. Vous faites un saut dans la planche, repoussez le sol, le bassin pas trop bas pour que ça puisse travailler dans l'abdomen, pas trop haut non plus. Posez vos genoux au sol et descendez en pompe. Posez le bassin, amenez les mains l'une sur l'autre et posez une joue sur vos mains. Fermez les yeux, les gros orteils se touchent et les talons retombent vers les côtés. Reposez dans cette posture de détente sur le ventre. Gardez votre conscience dans l'abdomen que vous sentez respirer contre le sol. Respirez aussi dans les côtés de l'abdomen et à l'arrière, dans le bas du dos. Puis on va se préparer pour la posture de la barque. Donc étirez bien vos jambes bien longues vers l'arrière, vos bras vers l'avant. On va faire d'abord la demi-posture. Prenez appui avec le bassin sur le sol. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez relever le bras droit et la jambe gauche. Relevez un petit peu la tête pour que l'oreille soit au niveau de votre bras. Respirez. Et reposez, expire. Prochaine inspiration, on va relever le bras gauche et la jambe droite. La jambe derrière est tendue. Sentez au niveau de l'abdomen comment ça se passe. Et reposez. Respirez bien, amenez beaucoup d'énergie dans tout l'arrière du corps et on va faire la posture complète Navasana, la posture de la barque. Respirez bien. Sur une prochaine inspire, relevez vos deux bras, vos deux jambes tendues, la tête se relève un petit peu. Respirez bien profondément, ressentez les effets au niveau de l'abdomen. Et on repose. On peut refaire le petit coussin avec les mains et on pose l'autre joue. Les gros orteils se touchent, les talons retombent. On ramène le souffle au calme. Et puis on place les mains de chaque côté de la poitrine. Poussez dans vos mains pour venir à quatre pattes. Joignez les gros orteils et séparez les genoux, la largeur du tapis. Amenez le bassin en arrière sur vos talons et déposez le front au sol. Vous pouvez garder vos bras étirés vers l'avant. Donc les hanches sont vraiment bien fléchies. Vous adaptez si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture. Le thorax entre les jambes, le ventre respire. Puis revenez à quatre pattes, replacez vos genoux dans la largeur des hanches, les pieds aussi. Retroussez vos orteils vers l'avant. Poussez très fort dans vos mains, les doigts sont écartés. Poussez pour vous porter vers l'arrière, le bassin vers l'arrière. Puis sans avancer les épaules, montez votre bassin vers le ciel pour la posture du chien tête en bas. Soulevez bien vos talons, pointez bien vos ischions vers le ciel. Et rapprochez l'abdomen de vos cuisses, genoux un petit peu fléchis.
Maintenez un petit peu la posture, retrouvez la sensation du ventre absorbé vers le dos, vers le thorax. Puis vous allez marcher vers vos mains. Et là, vous allez prendre une brique. On va faire Ardha Chandrasana. C'est plus aisé avec une brique. La brique, on va placer tout d'abord sous la main droite. Donc, il y a plusieurs niveaux. Niveau le plus bas, puis un deuxième niveau. Et un troisième niveau plus haut si vous êtes moins souple à l'arrière des jambes. Donc, choisissez le niveau. La main droite est posée. Le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Vous allez prendre appui sur votre pied droit et amener la jambe gauche en arrière. Puis vous allez ouvrir votre hanche gauche vers le ciel. Et vous allez amener votre bras gauche en arrière le long de votre corps, de votre jambe. Tournez le buste vers la gauche. Vous pouvez toujours regarder vers le sol. Et vous tendez votre bras gauche vers le ciel, les deux bras s'alignent. Le regard peut aller vers l'avant, mais sinon restez vers le sol si vous n'êtes pas sûr de l'équilibre. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même essayer de décoller la main et puis ressentir que cette posture est tenue par votre centre, le centre du corps au niveau de l'abdomen. Allongez-vous, allongez les bras, allongez la ligne du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Et quand vous voulez remonter, décollez la main gauche, la main droite et redescendez le pied gauche. Puis relâchez en Tadasana, reposez, respirez. On va reprendre de l'autre côté. Donc vous allez utiliser la brique sous la main gauche. On vient en flexion. Donc la main gauche posée sur la brique. Le bout des doigts de la main droite sur le sol. Les genoux peuvent être fléchis. Et on va prendre appui sur le pied gauche. Et on va amener la jambe droite en arrière. On va ouvrir la hanche droite vers le ciel. Et puis le bras droit en arrière le long du corps tout d'abord. Prenez le temps de vous stabiliser. Ramenez votre énergie vers le ventre. Et puis vous pouvez lever le bras droit vers le ciel. Les deux bras s'alignent. Et on fait une ligne entre le pied et le sommet du crâne. Éventuellement, pour plus d'intensité, on peut décoller un petit peu la main qui est en dessous. Sentir le travail, ça peut être juste quelques secondes. La jambe d'appui peut être un peu fléchie, hein, si besoin. Respirez bien. Et pour quitter, on relève la main gauche et on descend le pied droit. Alors on relâche en posture debout, les yeux fermés. On va se préparer pour la posture du triangle, le triangle simple, Trikonasana, mais avec une petite variante. Donc on va séparer les pieds d'un bon mètre, les orteils pointés vers l'avant. Et vous allez tourner votre pied droit, orteil pointé vers la droite. Pressez très fort dans vos pieds, vous êtes puissant dans vos jambes. Portez votre attention dans l'abdomen. Et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, le bras près de l'oreille. Expirez, penchez vers la droite juste un peu. Les deux jambes restent bien fortes. Et puis éventuellement, donc vous tendez le bras droit vers l'avant pour que la posture soit un petit peu plus intense au niveau de l'abdomen. Surtout au niveau des obliques.
les muscles au niveau de la taille. Et puis redescendez le bras, inspirez, remontez le bras gauche, expirez, redescendez le bras. Pointez les orteils droits vers l'avant. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Gardez votre bassin de face. Un appui très fort avec vos pieds et vos jambes. Puis inspirez, montez le bras droit et tirez-le vers le ciel. Expirez, à partir de votre centre, vous penchez vers la gauche. Respirez bien. La variante, si vous voulez, vous tendez votre bras gauche vers l'avant, paume de main vers le ciel, l'épaule qui revient un peu vers l'arrière. Respirez bien. Relâchez le bras gauche. Inspire, on remonte le bras droit vers le haut. Expire, on redescend le bras. On ramène les orteils gauches, on ramène les pieds. Tadasana, un temps d'observation, de repos. Et puis, on va s'allonger sur le dos. Pour une dernière posture. Relâchez pour l'instant tout le corps sur le sol. Et puis fléchissez vos jambes. Replacez bien le dos sur le sol, puis amenez les cuisses contre l'abdomen. Les bras sont le long du corps. Étirez les talons au loin vers l'avant, puis dépliez vos jambes. Dépliez-les complètement ou partiellement selon vos sensations. Alors vous pouvez placer vos bras en arrière si vous voulez, en arrière de la tête, ou les garder le long du corps. N'hésitez pas à fléchir un peu vos genoux pour être bien en appui donc sur l'arrière du bassin. Et là, on est comme dans la posture du bâton qu'on a fait tout à l'heure assise. Cette fois, ce sont les jambes qui sont vers le haut. Sentez comment ça travaille dans votre abdomen, comment ça le tonifie. Puis, relâchez un instant. Donc, réfléchissez vos jambes contre vous. Respirez. Et puis on reprend une deuxième fois, étirez l'arrière des chevilles et puis montez vos jambes à la verticale. Les jambes appuient bien au niveau de la base, au niveau du bassin, elles appuient bien dans le sol. Et puis descendez juste les jambes de 10 degrés, juste un tout petit peu. Puis encore 10 degrés, si c'est possible. Respirez. Ramenez les jambes à la verticale, repliez vos jambes et reposez. Ramenez les bras, vous pouvez relâcher les jambes. Et puis vous pouvez bouger un peu vos pieds comme des essuie-glaces pour bien relâcher dans les jambes et dans les hanches. Et puis installez-vous pour la relaxation finale. Les omoplates rapprochées pour que le haut du dos soit bien placé. Relâchez complètement les pieds, les jambes, les hanches. Relâchez dans le bassin. Relâchez les épaules, les bras, les mains et les doigts. Relâchez tout le poids du thorax contre le sol.
Ressentez tout le dos, le haut du dos qui s'étale plus largement. Relâchez la tête de tout son poids. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez les traits du visage. Laissez le corps s'enfoncer vers le sol à chaque expiration. Ramenez votre conscience dans l'abdomen, la surface de l'abdomen. Sentez que respiration après respiration, le ventre, la surface du ventre s'assouplit. La surface du ventre devient très élastique. Puis la conscience descend en profondeur dans l'abdomen. Et ressentez le massage fait par la respiration. Un massage naturel qui berce les organes. Le souffle détend en profondeur tout l'abdomen. Le souffle détend en profondeur tout l'abdomen. Restez conscient de ce massage naturel, ce massage respiratoire qui amène beaucoup de détente dans l'abdomen et dans tout le système nerveux. Au cœur de votre abdomen, visualisez un soleil. Visualisez sa lumière. Ce soleil représente votre source d'énergie. Chaque respiration
alimente votre source d'énergie. Ce moment de relaxation vous régénère complètement. Vous pouvez continuer de visualiser ce soleil au cœur de l'abdomen. Un beau soleil rayonnant. Tranquillement, prenez conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Prenez conscience de tout votre corps posé sur le sol. Respirez plus profondément. Reprenez des petits mouvements de vos doigts et de vos orteils. Et vous pourrez vous étirer, bâiller. Laissez-vous rouler sur le côté. Prenez le temps. Et vous pourrez revenir, vous installer en assise. Prenez votre petit bloc, votre petit coussin si vous avez pour bien vous installer en tailleur. On va terminer avec un mudra, un geste des mains. Prenez le temps de bien vous placer, de bien vous stabiliser et amenez la main gauche avec la paume de main tournée vers le ciel, la main vers le ventre. Et avec la main droite, faites un point avec le pouce levé. Déposez le point sur la main gauche. Donc le mudra se retrouve devant le nombril à peu près. La main gauche, fermez les yeux. Votre main gauche est comme un socle. Donc la main droite posée dessus avec le pouce relevé. Ce mudra s'appelle Shiva Linga Mudra. Respirez tranquillement, observez les effets, dans quelle ambiance ce mudra vous place. Ce mudra
pourrait représenter une lampe à huile avec le pouce qui serait la flamme. Et il symbolise alors votre feu intérieur. Connectez-vous à cette petite flamme en vous, à ce feu intérieur. Respirez amplement. Vous allez pouvoir relâcher le mudra, redéposer vos mains sur vos cuisses, garder un instant encore les yeux fermés, rester à l'écoute de vos sensations, cette fin de séance. Puis les mains jointes devant le cœur. Respirez ici. Et nous pouvons nous saluer. Merci. Très belle journée ou très belle soirée à vous et à bientôt.